Bonjour à tous, on se retrouve sur Going Medieval pour continuer notre petite survie avec notre colonie toute neuve. Donc on avait préparé le petit burinier pour stocker une nourriture pour l'hiver. On avait commencé la construction d'une maison qui ressemble un peu plus à une maison. Moi, quoi que j'exagère, on avait une petite cabane. On avait une petite cabane. On avait fait une grande grange, stocker nos ressources, un grand entrepôt à part pour une fois. Et on avait notre petite tour pour de potentielles attaques. On a eu une petite attaque quand Truda est venue nous rejoindre. Elle était poursuivie, mais ils ont renoncé. Ils n'ont pas attaqué. Ils ont fui. Il n'est pas construit pour rien, parce qu'on aura besoin de Truda, c'est certain. Et voilà, c'était dépêché exprès de le construire, mais ils ont refusé le combat. C'est pas trop grave. À fond la vitesse. On a nos cultures qui sont en cours, on a une petite plantation d'arbres aussi. L'avantage des plantations d'arbres comme ça, c'est qu'ils les récolteront au fur et à mesure tout seuls. Matériaux, alimentation animale, ça. Et les livres, j'ai pas besoin. Je vais mettre comme ça pour voir l'alimentation animale quand même, les stocks. Ça, c'est l'argent. Récupérer une pièce lors d'un échange. Donc ça, c'est une des nouveautés du jeu. Donc on a une qui sont en train de s'entraîner un petit peu à la chasse pour monter leurs compétences de tir, et puis on va obtenir de la viande et de la peau pour l'hiver. On est en train de construire un peu la nouvelle habitation. Nous pouvons faire des pièces qu'on va zoner. En dessous là, on a le cellier. Donc on est dehors à 25K de température. Et si on descend au plus bas, on est à 3,8. 3 sur celle-là, et celle-là un peu plus sur là. Bon, celle-là, il manque plus de portes pour fermer, ça isole mieux, je pense. Les portes en niveau de taille, c'est vraiment pareil, voire même plus grand, donc elle devrait être un peu moins bien. Mais là, plus il y a de portes, plus ça cloisonne. Ah, voilà. Là, on va avoir des bagarres, hein, tout de suite. Et non, je vais peut-être regretter. Attaque les détrousseurs. Ils apparurent en silence, les yeux caves et les cheveux rebelles. Imprégnés d'une odeur rance et ensemble montés de la tête aux pieds, il ne faisait aucun doute pour les habitants de Pontefract que ces pillards étaient des brutes les plus meurtrières. Il n'y avait aucune logique, ils n'avaient plus rien à perdre. Et donc, il y a combien? Il y a potentiellement un archer, 5 maraudeurs et un maraudeur féroce. Donc, il y a normalement plus que ça. Donc là, ça nous dit 7, mais il y en aura probablement 8 ou 9. Hein. Ok, donc là ils sont en cours de préparation. Oui, ils sont bien 7, hein, pour une fois le jeu n'a pas triché. Alors on va remonter un peu le niveau, pour voir un peu la map. Est-ce que je mobilise tout de suite tout le monde? Je vais peut-être mobiliser tout de suite tout le monde parce que ça, vu que l'autre est à moitié en chasse. Et on va leur demander de se mettre au petit ici. Voilà, ça se prépare pour la bagarre ici. Bah toi t'as le droit de bouger ma grande, je sais pas ce que tu fais Trudy, mais viens avec toi vite, en plus t'as un arc. Ah d'accord, oui c'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient très très bêtes. Elle s'est enfermée à l'intérieur. Alors
je vais le démobiliser du coup. On va peut-être nous casser le mur, voilà. Et maintenant, on la mobilise et qu'elle vienne ici. Alors, bouclier, on va mettre, je pense, ici. Comme ça, s'il y en a qui nous fait shape up. Les archers. Riked. Riked aussi, il faut que tu viennes ici, gros. Lui aussi, il s'est trouvé moyen de se bloquer. Il s'est bloqué, vous, lui. Est-ce que ça serait pas un petit peu bugué leur affaire? Pourquoi il serait bloqué ici? On a une porte. Okay. Est-ce que c'est que ce bins? Ils ont fait des allers-retours pour remettre de la boue pour quelque raison. Ah oui, voilà, pareil, même principe. Même principe, même principe. Hop. Tout est bloqué. Mon petit Riquet, tu vas pouvoir monter et casser ça. On te passe pas sur tout le monde. Oh là, j'ai un sacré son maintenant quand il y a bagarre. Lekfen. Elle peut décaler un petit peu. Ouais, deux archers là, voilà. Elle peut rien mettre la pipe. Voilà. Ils vont arriver où exactement? Il y a de là-haut. Alors, ils vont venir ici, ils vont commencer à casser tout ici. Comme toujours. Limite, toi, tu vas trouver peut-être un peu là. On va voir ce que ça donne. On attend que le petit Riquel arrive. Normalement, ils viennent en priorité. Elle n'avait pas d'arme encore. Ça, c'est la petite dernière qui est arrivée. Elle a pas d'arme. On va la monter là. Voir qu'elle soit en sécurité. Même si elle a pas d'arme pour se battre. Si, elle a un chichu. Ok, ça débarque là-haut. Le feu de ton hauteur fait pas forcément gagner de la portée. Plus que ça. Allez, vas-y, entraîne-nous vos tirs, en plus, ça va les faire flexer. Avec l'échelle, alors je vois comment ça se passe avec l'échelle, parce que ça, je connais pas, l'échelle, c'est tout nouveau. Et je sais pas, du coup, comment les ennemis réagissent par rapport à l'échelle. J'aimerais bien que vous fumiez l'archer. Lui, c'est plus dangereux dans le média, je pense. Dégommez-moi l'archer, s'il vous plaît. Lui, il veut pas vous snapper. Alors, ça monte. Ah, ça fait. Ah, il a moyen. Ah, ils arrivent à monter à deux par deux. Ouais, mais bon, ils trichent aussi. Comment ils arrivent à monter à deux par deux sur une échelle? On explique un peu, là. Ah, il y en a un, il va faire tomber. Il y en a un qui va faire tomber. Ça peut voir cher, un point un peu cher. Non, 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 toi, tu descends pas, toi. Oh, toi, tu veux me plaire, toi. Toi, tu restes en haut, vous. Là. Les archers. Et l'archer, on va la tuer à la limite un peu, c'est là, tout dit. Là. Putain, vous avez pas réussi à me le démonter, l'autre? Alors, ils sont à peu près protégés, donc à la limite, on va leur dire de sniper ceux-là. Les acétins veut pas, ouais, ouais, ouais. Non, non. Attends. Ah, je sais pas ce que ça donne, du coup. Eh, ça fait 5 minutes que vous tirez sur l'autre. Hein. C'est pas si mal, c'est pas si... Alors, Trudy, par contre, là, ça va pas du tout prendre très bien, la pauvre. C'est embêtant. Allez, fait tomber, mais ils prennent pas assez... Non, 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 tu descends pas. Tu restes en haut, t'es bien en haut. Redwin. Allez, tu restes ici. Qui est tout rouge, il a pété un câble. Sweetin, tiens, mets-toi là, je sais pas, ça sera mieux. Un truc doit tomber. Reste ici. Bon, c'est pas ouf cette histoire. Je pensais pas qu'il monterait à 50. Vous allez voir monter autant. Et nos archers au début sont pas très bien.
pas réussi à démonter le simple archer là. Et pendant ce temps-là, les autres montent. C'est un vrai problème. Et tu peux pas snapper celui-là? Non, pas peur. Bon, on a perdu, du coup. Donc il va falloir que voilà, je vois différemment pour cette histoire des chats. Autant avec les escaliers, ils montent à un par un, que là, on a vu, avec les chats, ils arrivent à monter plusieurs. Donc ça, c'est pas normal, ça. Là, c'est mal collé, les gars. Maintenant, faut sauver les copains. On va les laisser fuir, hein, en démobilisation, mais soigner les copains, là, parce qu'il y en a, ils sont vraiment mal. Laissez-les fuir. Non, ça soigne. Donc, voilà, ça soigne. Maintenant, ils ont plus besoin d'être un lit pour soigner, et ça, c'est quand même plutôt cool. Bon, on n'a pas tué grand monde, hein. On a tombé un quand même. D'accord, ça soigne un peu là. Toi, tu veux pas trouver les soins des blessures de Redwin? Alors, c'est en train de se vider, tiens, ça. L'autre, elle va bouffer, mais ils m'agacent quand ils font ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'agacer quand ils font ça? Alors, je vais supprimer ça parce que ça se trouve. C'est pas très important, finalement, on s'en fout. Et l'autre, alors, ils sont en train de tout se vider de son sang, mais il va bouffer quoi. Écoute, on va mettre tout le monde en soin. Parce que ça passe du tout droit, tu lui. C'est pas censé les bouquer, hein. Les deux là, les deux boîtards, ils essayent de revenir. Les tiennes, tu me saoules? Tu me saoules? On va soigner, tu boufferas plus tard. Ah non, il va tout prélever. Putain. Parce que quoi, elle est déjà soignée, c'est pour ça? Tu veux pas soigner plus? Les copains? On va voir les inclinés. Ouais, c'est à la moitié soignée. Mais l'autre, il pense qu'à bouffer. Pourtant, elle pourrait soigner. Bon, lui, je sais pas où il a posé. Bon, ça soigne quand même, ça va passer. Faut stopper l'hémorragie. Hein. Jambe fracturée critique. L'autre s'est auto-soigné, d'accord. Routine, va te coucher. Là. Modérer épaules et bottes graves. Perdre l'important, c'est la perte de sang. C'est de là, perdre beaucoup de sang. Mais ça va, mais c'est encore en. Voilà, ça repasse, donc ça devrait être ok. Ça devrait être ok. Alors, donc là. Je vais débloquer. Toc. Il va falloir faire quelque chose pour brûler les corps. Les ennemis, on va les brûler. Bûcher, bon, on a qu'un, donc hop, on prépare deux. Donc, je pense que tout le monde va sur le bout. Allez, soigner. L'hémorragie est arrêtée. Bon, je vais repartir. On va manger. Ça va te redonner des forces. Tout va bien. Mais ouais, du coup, l'échelle, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. On va faire une porte pour fermer. J'avais hésité à en faire une, mais du coup je vais quand même en faire une. Comme ça ils pourront tirer d'en haut. Et le temps que ça pète la porte. Alors là par contre ça c'est pratique ça. La puce. Là, mon écran.
Tac. Finalement, on a buté deux. Et on a survécu. Non, bah on va faire des portes aussi, là, du coup. J'aimerais bien qu'ils me fassent des bûchers, parce qu'ils vont pas aimer voir des cadavres, hein, donc... Bon, toi, on t'a fait un lit maintenant, mais tu veux quand même dormir sur le truc de fond. T'as mis du temps à avoir ton lit, mais tu peux pas l'utiliser, c'est ça? Toi, tu m'as l'air spécial, hein, quand même, hein. Tu veux pas soigner les copains, tu veux pas... machin... Pas sûr que ce soit une très bonne recrue, ça, hein. Grossière, mauvaise et refaîche, à peine civile, ouais, ben on a remarqué. Estomac en béton, ouais. Cannibale, ouais, je trouvais que c'était une... c'est elle qui est très sympathique. Donc, ils sont contrariés, bah, ils sont contrariés, ils sont blessés, tout ça, donc ils sont un peu contrariés, effectivement. Effectivement. Du voyage cadavre, ils n'aiment pas ça non plus. J'aimerais bien construire ça, là, putain, on peut pas les faire. Je sais plus, on peut pas les faire ça, je crois, construire. Si, en fait, il est obligé de prendre. Donc, cru tout le temps. Tu peux utiliser pas de charbon, s'il te plaît. Bois branchage, ça me va, même si c'est plutôt branchage qu'on peut utiliser, si je me souviens bien. Pas les corps des colons, corps de long, enfin des petites tombes, oui, par contre. Et les corps des ennemis, oui. Donc, du coup, prioriser la production. Voilà. Petit bois. Et la nuit, ma cabine. Dedans, tu vas te forcer à bosser, toi. Tu vas me construire celui-là aussi. Pour brûler les deux au plus vite. Il n'a pas allumé, hein. Il a allumé le truc. Il n'a pas allumé, ce con. Voilà, quand même. Même principe, tout le temps. Pas de charbon, pas les colons. Production, petit bois, va chercher le machiavélique là-bas. Là, la ligne 2, s'il te plaît, travaille déjà dessus, ça. Ok, voilà. La vitra qui pète un câble à cause des cadavres. Très important, ça. La carcasse de serre, là, rien à foutre là-dedans. Rien du tout. Carcasse, ah ben non, pas de carcasse, non. Ah, la carcasse à l'humain limite en attendant de les mettre ailleurs, de les brûler, mais les animaux non, ils vont pourrir. Pas bien paramétré ça, pas du boulot. Alors, ah, il y a une vache qui est arrivée dans la map, on peut essayer d'aller la récupérer. Donc est-ce qu'elle est en domestique? Ils ont tendance à arriver des fois en truc déjà en domestique, elle, non. Donc il va falloir tenter de l'apprivoiser. 35% de chance. Jeune. Avant qu'elle se fasse bouffer par un loup ou autre. On voit l'essence, qu'on voit l'essence. Il y en a qui chasse. Okay.
Alors, c'est une différentielle qui traîne de base. Tout en ça, et du coup, il y a un spot de fer là. Tac. Rendez ici, comme ça sera repéré qu'il y a, on saura qu'il y a du fer ici. Cuisine niveau 13, formidable. Tu nous as amené du fer là, mais hop, voilà, ça c'est ok. Je crois qu'ils avaient déjà beaucoup de boulot. On va leur demander, ils ont pas stocké. Je vais leur demander de nouveaux trucs. Niveau recherche, on est à 25. Qu'est-ce qu'on fait? De la fermentation. Ils ont un peu d'alcool parce qu'il y en a, ils sont pas contents et puis ils pas d'alcool. La fermentation. Alors, ça, ce poste-là, je crois, ne produit pas de chaleur. Donc, je peux le mettre ici, là. Ici, il va falloir préparer l'accès aux étages. Donc, petit escalier. Genre comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, je mets là-haut un petit plafond là. Il va me faire une poutre de toute façon, avant de faire quoi que ce soit. Poutre là. Une poutre là. Là, je crois que c'est pas indispensable, j'en mettre une quand même. Ouais, ça va encore, puis ils ont à récupérer la kit. Bon, ça soigne encore. Est-ce que je peux peut-être baisser du coup la priorité sur le soin? On va laisser en soin, ils sont à deux. Bon, autant laisser se soigner gentiment. On a 18 repas, il y a bien aussi vite. On va monter les stocks. Ils ont pas raison de... Pas trop en rajouter. Et les autres, ils sont encore en convalescence, donc... Huitième jour d'été, on n'a pas des grosses troupes, on a quand même du cru. Et puis, il y a du bétail qu'on peut abattre. On a un deuxième bébé, hein. Bon, la convalescence, ça va aller. Je pense que vous êtes relativement en forme, là, déjà. Oui. Grave. Par contre, on peut les boîtes et pas soigner, vraiment. Je vais modifier ça. On va passer un petit moment là, parce que... Ça bosse un peu, là, quand même. Parfois, ça fait pas un peu mieux. Ta cuisine, c'est bien. Et quoi, toi, tu transportes du bois un rang? Non, mais c'est ça qui m'agace, ça a toujours mal collé, mon truc. Hein. Maintenant, ils portent un rondin, quoi. Il y en a plein qui traînent, ils se baladent, alors qu'il a 60 de capacité. Donc ça, c'est pas résolu, mon truc. Hein. C'était censé avoir été résolu, mais apparemment, c'est pas le cas. Hein. Là, il va nous faire quoi sur l'argile? Là, l'argile, il s'est blindé, par contre. Là, ça va. On est faire du bois, on va survivre. 22, 22. Là, c'est mieux. Alors, je crois qu'il a pris juste un mini bout, quoi. Donc ça, c'est notre mine. En préparation d'argile, parce que l'argile en a beaucoup besoin.
On va attendre qu'il fasse déjà tout ce qu'on a demandé et on va arrêter de rajouter des trucs. On voit que les étagères sont pas finies, j'ai pas encore commencé dans la baraque à continuer. Faire les poutres. On va attendre. On laisse faire ce qu'ils veulent, que ça se régule un petit peu. On a 24 repas, ça coule. On a 143 de cru. Il a réussi à apprivoiser la bâche. La vache, la branche. La vache. Bien. Et on a du coup de l'orge, de la viande et des champignons. Et on a une... Ça, on pourra voir agrandir, mais après, de toute façon, il brûle pas, je crois. Donc, uniquement serré dans les eaux, j'ai le son. On a besoin de refaire un champ avec de l'herbe. Mais c'est pour ça qu'il faut prévoir du stock quand même pour l'hiver. T'es encore... Non mais... Et vous êtes avec convalescence pour... Vous exagérez? Ouais, donc ils ont amélioré soi-disant ce truc-là, mais on a l'impression que c'est un peu trop amélioré là, du coup, maintenant sur le soin. On attend un traitement d'une blessure. Je diminue ça, c'est peut-être ça qui fait. Tac, tac. Le convalescence, on a 3 là, normalement, c'est bon, non? Ça, hein. Ouais, ils sont bien mignons, il n'y a plus que deux qui bossent. Hein. Forcément, ça avance moins bien cette affaire. Il y en a 5 qui bouffent. Allez, regarde ça. Ça va grailler là. Sûr de quoi on a besoin de soins. Ben voilà, soins, c'est bien. Je veux bien. Alors maintenant, il va falloir prendre un peu de boulot parce que on a pris en charge par la sécu. J'arrête de travailler, donc au boulot. Y a pas de bouffe cet hiver, bah ça va le finir. Ouais, le petit loup, là. Petit puits, là, c'est encore un loup. Il y a des putois aussi. Des renards. T'en es où au niveau de la maturité? Grosia est mature. Il faut qu'il récolte ou pas là? Il récolte tout normalement. Croissance 80%. Phase de croissance de mature à 82,34, c'est pas fini. Continuer de ramener l'argile, ça on va en avoir besoin, mais il faut d'abord qu'on fasse des poutres pour qu'on puisse continuer à construire. Ce serait bien de demander une porte hein, ici, on met la porte là, comme ça ils devront péter la porte avant de pouvoir rentrer, ça nous sera plus de temps pour tirer dessus.
Ouais, l'avantage, c'est que ça nous permet de construire quelque chose de moins grand, mais malheureusement, ils arrivent à monter à plusieurs en même temps. Ouais, il nous reste un convalescence à l'économie. Regarde, commotion légère mineure, ils ont plus rien. Jambes fracturées. Bon, ok, ça c'est un peu grave. Ça va sinon, ça t'empêche pas de faire quelques petits trucs. Avant, il restait pas aussi longtemps qu'on laissait ça. Mais je pense que c'est un peu trop. Ah, c'est des blessures graves. Rester 2 mois comme ça, quoi. Ça guérit pas tout de suite. Voilà, ça c'est ok. Ils ont fait la porte. Là, on va se consacrer au reste maintenant. Si vous voulez de la picole, les gars, faut construire ça. Hein. Bon, pas de picole. Hein. De 33 repas. Voir un peu la tête à notre tour. Ouais, passe sa vie à chasser les rats là-dedans, ouais, j'ai l'impression. Ouais, il a place en stock. Hein. Après, il y a des cultures pour comprendre un peu tout ça. Ça tape hein, en tout cas, hein. Ça tape. Ok, alors montre-moi voir. Il peut finir. On s'est déjà mis un petit peu à jour. Possiblement peut-être demander alors charbon, ouais ça j'ai pas modifié hein. Pas de charbon s'il vous plaît. Et on fait pas dans le cannibale, hein. On fait pas de viande humaine en plus, c'est pas une source régulière de bouffe, quoique. Il y en a qui risquent de quoi aimer si on fait ça. Dans la faune, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a du mature, mais ils sont déjà cochés. On va recocher d'autres. Viande rôtie, viande fumée, viande crue, la tarte aux groseilles, du ringoût, de l'orge, du lait et du caillebotte. Et c'est sur les étagères. Donc, longue conservation. Ouais, ça nous met frais, tiens. 100% de points de vie, nutrition 135. Ah, c'est pas mal ça, c'est nouveau ça. Je ne mettais pas ces trucs-là. Donc, le ragoût, très bonne nutrition. L'orge aussi. Les cahiers. Viande rôtie. Tarte aux groseilles, ragoût. Alors, il y a un ragoût à 850 et un à 170. Ça dépend de la qualité, de la fraîcheur, dépend de quoi. Du nombre, j'ai l'impression. En fait, c'est des stacks. On tire un peu l'intérêt du truc quand même.
Bon, bah, ils ont plus, ils sont tous à peu près contents, on va dire. Ouais, ils sont plus mécontents comme ils l'étaient. Ok, ça c'est fini. Donc, caillage du lait. Est-ce que maintenant on fait le caillage? On peut demander différents moves. Voilà, par contre, on va demander quantité limitée. Jusqu'à obtenir aussi. Un thème de chaque. On verra un peu. Alors, voyons, un gros œil pomme, ok. Et là, alors, pas prendre de l'orge, regardez. Betterave, carotte, pomme, déchets végétaux, groseille, chou, orge. Ben, je pense qu'on peut repartir maintenant sur la construction. Je vais pas me laisser. Alors, attends, l'histoire de ça. Pas grave, on y fera. Ouais, il va falloir que je note une autre poutre ici. Ça passe pas. On va devoir faire une deuxième poutre. Je pensais que ça suffirait, mais non. Ça, je l'anime. Ah, d'accord. On va faire une autre potence par dramatique. Il y a un chien qui est arrivé. Est-ce que pareil, il faut que j'aille l'apprivoiser ou il nous a rejoint lui? Le kien nous a rejoint direct. Alors, le kien, ça c'est intéressant. Le kien, faut dresser le kien. Il est jeune. Il va falloir le dresser. Et une fois dressé, il pourra nous aider à faire du transport. Non, non, non. Ah. Pas la priorité. On va le faire, mais pas tout de suite. Normalement, je vais essayer de faire les étages et à pouvoir fermer un peu tout ça. Plutôt se consacrer sur la partie étage. Et après, effectivement, je vais un peu les sols. Ici. Hop, hop, hop. Voilà. L'escalier, c'est. Tu commences à me plaire un peu. Il y a le mur, ce mur à côté, c'est une structure stable, gros. On va attendre qu'il fasse ça déjà. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Je vais voir s'il arrive à construire la nuit. Capricieux le jeu sur la construction des fois. Structure stable, y'a pas de soucis, y'a pas un souci sur le top, t'as un escalier. Que la structure stable, c'est ok là. Hein. Moi, je veux bien faire une autre poutre, hein. Ils ont encore augmenté, diminué le truc, il faut encore faire plus de poutres qu'avant. C'est que ça, y'a que ça, c'est pas grave. Hein, mais... Ils exagèrent un petit peu. Parce qu'ils ont plus grand chose à faire apparemment, mais ils n'ont pas construit le truc non plus.
Donc on a le toutou. Alors ça, ils ont un peu modifié parce que avant, le chien, même quand il était apprivoisé, il continuait à rester à l'autre bout de la map. Et bah du coup il pouvait. C'était la galère, il fallait traverser toute la map à chaque fois pour essayer de le dresser. Pour la nourriture, pareil, bah, il crevait de faim à des moments. Et donc ils ont modifié maintenant, au moins quand le truc est apprivoisé, ça vient dans votre zone. Bon, il fait rien pour globalement pour ce temps qu'il n'est pas dressé. Et au moins maintenant il est dans votre zone. C'est déjà mieux. Ils vont rester à vie à cause de leur fracture. Je peux rien y faire la fracture. Expire dans 74. Oh, putain. Comment ils ont fait pour se péter des jambes comme ça et des bras? Ils sont tombés de l'échelle ou quoi? Oh. Ah ouais, c'est pénible ça maintenant par contre. Cool, on a deux qui vont rien foutre pendant un moment. Hein. Épaule déboîtée modérée, combien? 77 heures. Bah, alors, épaule déboîtée, t'en as qu'une, hein. L'autre tu peux bouger et faire quelque chose hein, quand même. Oh. Chamboule un peu mes plans, moi. On va leur faire éclater les trucs. On va faire autre chose qui fasse ça. Il stocke pour l'hiver. Maintenant, il fait de la recherche. Rempli de la sacoche d'aliments, obtention de ressources de construction. Alors, donc, potentiellement un nouveau, mais potentiellement, bah, ce que je fais encore avec des ennemis. La dernière fois, ils ont renoncé au moment de l'attaque. Le problème, c'est que j'en ai deux carpettes. C'est embêtant. C'est exactement la même église que la dernière fois. Là. Troisième venue. Et là, t'as dit. T'as le biga qui arrive. Dès que tu montes ta difficulté, ça devient. Bon, t'as du moins qui arrive, quoi. Ça devient fou. On va prendre quand même, c'est tout. Allons-y. Qu'est-ce qu'il fait le Sigmund? Sigmund. Bon, il est un peu blessé, il va soigner. Alors, somnolent. D'accord, ça va foutre de guerre. Vitesse de récupération du sommeil plus 50%, vitesse de réduction du sommeil plus 30. Gourmand, ok, encore un, on avait déjà un qui était la bouffe, hédoniste, sans un peu de passion, il a sonné très vite, il commence à des problèmes de tes photos. D'accord, casse-couille. Là, vous pouvez être certain que l'éternel. Alors... Ah ouais, non mais putain, mais on va voir que des casse-pieds comme ça là qui arrivent. C'est dégâts sans armes plus 30%, d'accord, c'est un boxeur, mais je suis pas sûr que ce soit méga efficace. Sans armes. Ah, c'est que les. Ils sont bons, hein, les nouveaux là qu'on reçoit. Hein. La vache. Chaque fois, ils ont du potentiel hein, dans la merde. Hein. Ah, on aime bien la chasse. Il est tireur. Bon, ça va marcher. Lui, on peut lui équiper l'arc long. Donc, au moins, voilà. Au moins, ça nous fera un tireur. Monsieur adore la construction, donc on va le mettre quand même. Élevage animal, T8, t'aimes ça, mais tu vas pas en faire parce que tu vas me pourrir le boulot des deux autres, hein, donc ça va aller. Extraction, ok. Tac, le reste. Ouais, il est quand même 10 en or, mais bon. Il ne restera pas plus que ça. Là. Donc on a dit l'arc que je te force à mettre, là pas besoin d'utiliser, non plus du coup. Tous les casques, toutes les armures, tu manges les repas, et tu ne fuis pas, et tu peux t'auto-soigner.
Bon, ça nous fera un archer en plus à mettre sur les remparts. Je suis très embêté avec les deux autres là qui sont. Je sais pas si je pourrais quand même les mobiliser et les faire les emmener au combat. Parce que là, ça va arriver dans 20 jours à 18h, donc ils seront pas de nouveau soignés pour ça. L'école qui commence à être prête. Oula, il y en a qu'un qui construit. On peut demander un peu de bois quand même. Il y a le deuxième qui a aussi le maintien des petits nouveaux. Il commence à bosser. Lui il est un peu blessé, mais ça va. Bon, je lui parle de. Donc on va son 3, passion 2 comme les autres. Hein, donc, Vous commencez à nous faire du truc canon ou pas là? Pas l'impression. Après, il faut avoir les ressources. Hein. D'ailleurs, c'est une broche ou c'est un taureau? J'ai pas fait gaffe. Un taureau. Donc, du coup, il y aura moins de lait, hein, forcément. Hein. Ah, mais il faut un pied en pouce, du coup. J'avais oublié. Hop, hop, et puis comme ils sont très intellectuels, ils vont dormir à l'endroit le plus frais du truc hein, dans le cellier. Et du niveau quand même. Hein. Et du niveau. Moins 3-6. 3-6, 3-6. 4-7. Allez, du niveau. Au niveau de la grange, il y avait. À la limite, il y avait même là. C'est tout de suite mieux évidemment de dormir au frais. Du coup il va manger là, hein. Il va dévaliser la cave, voilà. Là, on va en mettre une en nourriture pour animaux. Voilà. On va faire ça. Et l'autre, enfin. Hop. Ils peuvent passer normalement pour nous mettre directement là. Je vais mettre à qui tape leur avis. Est blessé, oui, bien sûr. Le courant qui avait blessé, modéré. 75 heures, t'as l'impression que ça avance pas, c'est du bonheur. 50 heures, tiens, ça a changé d'un seul coup. Notons qu'ils ont construit ce que je peux rajouter, mon bout là. Merci bien. Toc toc toc. Toc toc. Oh non 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 non, c'est pas ça. Voilà. Et une fois qu'il y aura le plancher, on pourra leur faire refaire les murs en plus. Et après je pourrais faire le toit. Au moins sur cette partie-là, et puis s'il faut on agrandira après le reste. Même si après ça pose un petit souci d'agrandir au niveau du toit, les jonctions sont un peu chiantes, on va dire.
genre, c'est les deux agriculteurs là qui sont carpettes. Du coup, là, on récolte, non? Par contre, pour aller prier, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ça se porte bien. Hein. Ouais, papette, vas-y, ça retourne faire sa petite, son petit repos. Je pense qu'ici, on va caler ce qui est religion là-dessus. En haut. Une porte ici, on va couper le truc en deux. Mur là, mur là. Mais je vais arrêter après. Je vois qu'il se consacre à d'autres trucs. Il y a de quoi passer l'hiver. Ils peuvent passer l'hiver là, c'est pas un souci. On va juste rajouter un poêle, c'est tout. Il y a la place. Ah, tu vas en rater combien comme ça? Il est venu chercher un petit peu de baie, puis c'est tout. Bon, là, ça va risque d'être compliqué, hein. Possiblement, on va bien voir, mais... Et tout à l'heure, c'était moyen, histoire d'échelle. L'automne. Du coup, ça aurait été bien de rentrer les récoltes avant que ça gèle. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez bouffer cet hiver, à ma foi, pas une mauvaise idée. 242 millions. Trois heures avant que ça débarque. On va voir comment ça se passe. Si on survit, si on perd des copains ou pas. Nous sommes lancés dans la récolte. 1h30. De replanter, mais je pense pas que c'est le temps de pousser là. Hein. Ok, bon bah on va en faire la bagarre. Hein. Ils sont combien là? Trop à mon avis. Hein. Oui, trop. Neuf. Les fanatiques exigèrent que vous leur délivriez Sigmund immédiatement pour qu'il soit brûlé vif sur le bûcher ou peut-être écorché vif pour ses innombrables péchés. La volonté de Dieu serait faite. Ils avaient le droit de mort. Mais bien sûr, bien perdu. C'est tout.
Donc on a encore perdu des relations avec eux. Et ce coup-ci, ils attaquent par contre. Mobilisons-nous. Est-ce que les blessés vont... ou pas? Oui, il bouge malgré tout. Mais vous voyez que vous pouvez bouger quand vous voulez, un peu lentement, mais vous pouvez bouger quand même. Oui, bah, il bouge un peu, mais c'est pas mal, ça. Ah. Ça m'arrange. Je préférerais que vous veniez tous effectivement dans le bastion. Ça m'arrangerait, très honnêtement. Toi, tu vas rester là pour taper ceux qui passent. Toi, tu vas te reculer un poil parce que autrement, t'es pas protégé par les meurtrières. Toi aussi. Les autres arrivent tout doucement. Tu vas te mettre là. Par contre, toi, Trouda, je pense que tu vas te mettre ici. Alors, on ne sera pas bien protégé, mais t'es déjà blessé, un peu comme ça pour moi. Ok, ils sont où du coup? Ils attaquent de là-haut. Alors, normalement, là, ils vont être obligés de venir péter. Fort pour monter. On va bien voir comment ça se passe. Du coup, Trouda, peut-être que je te bougerai bien. Voilà. Je crois que tu dois un peu. Et toi? Ouais, t'as l'arc aussi, bah, tant pis, voilà. On peut être sur la même case, je crois, pour tiens. Les pions, ils arrivent de là-haut. Bah, ils vont revenir possiblement par ici, mais ils vont venir là aussi pour casser. Il y a combien d'archers, du coup, là? Il y a deux archers. On a vu qu'ils ont mis du mal tout à l'heure à tomber, les archers, malheureusement. On va bien voir. On va bien voir. On fait une petite sauvegarde histoire de. Peut-être qu'ils vont commencer juste à casser ici. Peut-être. Peut-être qu'ils vont déjà faire le tour. Cela, mais c'est le truc en ce temps-là, leur tire dessus. Oh, j'ai des beaux tirs là, c'est formidable. Allez. Un truc de cassé de moi, il y a les archers qui tirent. On va essayer de nettoyer un peu peut-être les piétons, parce que c'est eux là qui vont me faire le plus mal à mon avis. Ça tire, mais c'est pas très très efficace quand même. Pourtant, on manque pas d'archers, hein. Il y a du monde qui tire, mais là. C'est pas ouf 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 pour le résultat. Allez, casser tout. Allez, tu en moins là. Ouais, un moins. Milou qui vient de taper la bouffe là qu'il y avait dans les fumoirs, ça bête. Bon, tu suffisamment pour qu'il se décide à fuir. L'autre il est tout seul sur la porte, ça va encore. Deuxième qui est tombé. Lui il a. Allez, hop, un moins. Lui il va y passer avant d'avoir fini la porte ou pas? Allez, Redwish, finis-le avant qu'il casse avec qu'il finit la porte. Voilà, un moins. C'est pas mal, c'est pas mal. Trouda a pris un peu parce que forcément Trouda n'est pas bien protégé là par les remparts. On est déjà blessé la petite Trouda, je vais la reculer un peu quand même du coup. Il faut qu'il soit, pour qu'il soit bien protégé, il faut qu'il soit sur la plateforme. S'ils sont à ce niveau-là, ils ne le sont pas correctement. Bouclier. Allez, finissez-le celui-là, voilà, il y a pas de mots encore. C'est pas mal, c'est pas mal. Celui-là, il prend cher aussi. Elle arrive à le taper dans ou quoi? Il est pris si cher que ça, parce qu'il n'y a qu'un archer hein, sur lui. Ah non, il y a Sigmut aussi dessus. Boum! Bien, les petits gars, bien! J'aime bien ce que vous faites. J'aurais pu focaliser l'archer, mais comme si ils ont pas été toujours méga efficaces sur les archers la dernière fois, donc...
Allez, qu'est-ce que je veux finir là? Un moment, on pas encore réussi à casser la porte. Et la porte est cassée, mais du coup, il renonce, il a pris trop cher. Et cette malheur, on va tous les tuer. Il n'y a pas un qui va s'en sortir vivant, ça se trouve. Et sans trop de pertes, on en a deux qui sont un peu blessés, mais ça va encore. Yes! Je vais les laisser mobiliser. Si ils peuvent les finir, ça fait du matos à récupérer. Tant pis! On laisse les autres se sauver. Mais c'est plutôt pas mal. On est bien sorti. Ça me fait plaisir. Tac, tac. Et toc. Et on va demander qu'il me refasse une petite porte. Ça a pas mal marché le fait de mettre la porte, ça a bien ralenti, ça les empêchait de monter, de nous faire mal, notamment nos archers. C'est plutôt pas mal. Il faut reconstruire les bûchers, reconstruire plus. Ça c'est voilà, tant que t'as pas fait de mur, voilà, c'est systématique, il te casse tout. Après, s'ils n'arrivent pas à rentrer, c'est plus compliqué pour eux. On n'en a plus de bois, mais on a qu'à demander. Hein. Est-ce qu'ils vont quand même avoir assez pour m'en fabriquer au moins? Oui, deux, magnifique. Tout le temps. Reparamétrer. Hop, on va prendre que les branchages, pas les colonnes. Bois, on va éviter de trop claquer le bois. En plus de branchage, j'ai un truc, généralement on a toujours en excès. Tac tac, pas les colons. Ok. Pareil. Il y a trois bûchers, on pourra les alimenter. Allez hop. Le 2. Je peux paramétrer celui-là aussi et tout. Dans... Hop, 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 je perds les colonnes. Et voilà, on a 4. Ça. On va se débarrasser vite fait des corps. Du Nicolu. Et en attendant, ça récupère. On récupère du matos, donc ils vont pouvoir s'équiper un petit peu, même si c'est pas de la top qualité. Ils vont pouvoir s'équiper quand même un peu mieux que ce qu'ils ont. Et il faut que je refasse mes fumoirs. Et deux. Donc là, il va falloir récupérer du bois. J'ai demandé qu'ils coupent, hein, mais j'attends. Bah, ils récoltent déjà, c'est pas mal hein, qu'ils récoltent. Bah, ils sont en train de grainer. Là, on va récupérer moins de choux, hein, du coup. C'est marrant, ça, parce que ça, j'ai pas souvenir qu'on le voyait avant. Surtout qu'il me fasse des ressources plutôt que de graines. Oui, alors il faut refaire aussi le feu de camp pour qu'il puisse bah, faire bouffer notre camp. Hop. Qu'est-ce qu'on avait là qu'ils ont cassé? La table de débitage, je crois. Je vais peut-être la mettre en bas maintenant, la table de débitage, près du... près des carcasses animaux. On a les carcasses, limite la table de débitage, j'ai mis là, comme ça, à côté. Stockage et tout. Ça, ils peuvent stocker directement la viande au frais.
Bon, on n'a plus de repas du coup, il va falloir qu'ils en refassent. Bon, je pense qu'ils vont enchaîner après sur ça. Toi, viens couper ça. Il nous faut du bois là. Priorité à la construction du feu de camp. Il sert des repas. Voilà. Nickel. Hop, donc jusqu'à obtenir, on n'utilise pas d'orge. Là non plus, pas d'orge. Tu vas mettre pour les animaux donc une petite trentaine, c'est pas mal. Et là, tu vas faire, vas-y, fais-toi plaisir. Cool, on va récupérer encore plein de graines. Il faudra possiblement faire d'autres étagères encore pour les graines. Mais bon, pour le moment, ils peuvent le mettre par terre. Je vais agrandir la zone de stockage. C'est ma chouette. Ah, j'avais chopé. Non, c'était pas copié. On peut agrandir. Voilà. On avait le contraire, ben oui, mais la bouffe va rentrer. Ah, la bouffe, c'est pas ce qu'il va. Maintenant, il faut la transformer en repas. Vu que je les oblige à manger que des repas pour pas qu'ils me gaspillent des ressources brutes, peu nutritives. Bon, ils ont fait les récoltes, c'est pas mal. Du coup, en textile, on est à 370 lin. Je pense que je pourrais agrandir le champ de lin comme j'ai fait pour l'orge. Les autres champs, c'est ok, mais le lin et l'orge, on peut faire un peu plus loin. Sur les vêtements, on peut en vendre au pire. Le lin aussi. On n'en suit plus. Ok. Et on met l'orge en place. Et c'est avec les grêles et la médecine, j'ai mis aussi hein, tout ce qui était herbe, donc c'est périssable. Il faudrait qu'il finisse ça, que je puisse la paramétrer. Elle reste tout le temps en bas, quoi. Je vais devoir les forcer à couper les arbres, je pense. Et oui, un peu ça. Le chien, est-ce qu'ils ont fait un peu le dressage sur le chien? Est-ce que ça a avancé un peu, le chien? Là, dressé à 37%. Ok, tentative de dressage récente aujourd'hui 0. Dernière tentative de dressage réussite par l'Efken. Protection contre évoluteur grâce à Trouda Mallory. Torche bois. Ok.
Il a été attaqué, tout le monde a défendu, c'est quoi l'histoire? C'est 5 si on dit. Il n'est pas que les chiens pouvaient être attaqués. La vache, elle bouffe aussi l'alimentation animale. Elle bouffe un peu les deux, l'alimentation animale et le foin. Le problème, alors lui, tu peux très bien faire que l'alimentation animale, mais ça va demander plus de ressources. C'est mieux, mais c'est plus de ressources. Par rapport au foin. Le spooker, pas mal de foin, c'est pas mal aussi. Ils sont un peu équipés, les débiles. Oui, ils sont un peu équipés. Il y a des petits casques, des petites armes. Ils sont équipés de ce qu'ils voulaient bien. Ça se détruit, mais si la qualité soit pas bonne. Va se matelasser, c'est pas mal ça, pourquoi j'ai pas appris à se matelasser. Peut-être que les blessés sont pas équipés encore. C'est pas encore en connaissance, peut-être que là. Allez. Alors toi, lieu de tourner en rond, viens couper un arbre. Ton branchage, on s'en fout. Par contre, le bois pour qu'on puisse remettre le truc de débit de viande, ça serait pas mal. Hein. Merci bien. Alors les graines que vous quand vous semez des lignes de différentes arbres, la graine à côté. Vous voyez, là on a les graines, on a du chêne qui a égrené à côté. Et là on a du bouleau qui a égrené à côté de la ligne qu'on avait faite. C'est rigolo quoi. Et puis et on a peut-être une ligne de pommier maintenant. On a peut-être débloqué le pommier. Parce que le pommier on n'avait pas débloqué encore. Et j'ai vu qu'on avait des carènes. Ouh, chou, 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 chou. Un sylvestre, chêne, érable, bouleau. Pas pommier, mais. Attends, c'est qui? Bouleau, érable champêtre et chêne. Donc c'est les pains qui nous manquent. Bon, on va se faire une petite ligne de pain. Hop. Voilà. Ils n'ont fini de construire le truc en bas ou j'ai pas vu? Allez, hop. Tout le temps. Voilà, tout le temps. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Avec une carcasse. Ils débiteront la viande. Ils pourront nous faire la viande fumée. Du coup, on va peut-être redemander un peu de chance. Ou non, il restait un cerf, mais peut-être qu'il n'est pas accessible. Des fois, ils sont pas tous accessibles à certains, quoi, à certains endroits. Il est plus toi, Mathieu. Je pense qu'on peut chasser. Ça contre-attaque, mais je pense qu'il devrait gérer. J'espère faire gaffe parce qu'ils sont vulnérables lors de la chasse quand même. Hein. À bout portant, le truc. Le bordel, il suit, y a même pas. Ah, raté. Ah, j'avais demandé des renards aussi. J'ai demandé des renards? C'est pas plutôt toi que j'avais demandé? Bon, toi. Ah non, c'est du renard. Je crois que c'était plutôt toi, non, c'est vraiment. Plus dangereux les renards par contre, il y en a qui n'ont pas les renards. Hein. Non, non, je le sens pas ça, hein, parce qu'il y a quand même 20 chances de... pourcentage de chances de contre-attaque. On a eu du bol là qui ça riposte pas. Hein. On va éviter pour le moment, tant qu'on n'a pas un peu de matos, un peu de skill. Et on en perd 20 parce qu'il serait allé taper du renard. Hein. Ouais, il est en train de nous apporter les pains. Ouais, c'est ok. Bah, ils coupent ça. Ils sont mieux. L'avantage des pendaisons comme ça, c'est qu'ils vont les couper en auto. Comme ça, plus besoin de leur demander l'abattage. Ils vont faire comme pour les cultures. Ils vont replanter. Et comme ça, t'es tranquille.
Bah c'est pas mal du tout. Ah, ils ont entreposé de la fermentation. Donc ça, il faut qu'il y ait une température minimum pour que ça fermente, hein, pour l'alcool. Donc le tas se décompose jamais. Le tas fermentera dans un jour et ça nous montre les conditions. Et ça, c'est pas mal, hein, les outils qu'ils ont fait, ça j'aime beaucoup. Hein. Donc modifier le taux de dégradation dû à la température pour la fermentation. Si plus la température est la température optimale qui va être de supérieure à 6 degrés. On va dire entre 6 et 14, c'est pas mal. Plus c'est pas bon, et moins c'est pas bon non plus. C'est pour ça que généralement je les mets à l'intérieur, à des endroits où il fait un minimum chaud. Mais 6 degrés, ça passerait presque au cellier, mais. En tout cas, il faudrait faire une salle spéciale en cellier. Avec des murs isolés, du coup, ça remonterait un peu la température du cellier. Et ça pourrait le faire. Mais après, généralement, je les mets là, et ça reste dans la maison, donc ça chauffe. Alors, nos murs, repartons sur du mur en argile. Maintenant que les planchers sont faits, évidemment. Hop, on agrandit tout ça. Après, je pense que je ferai les plafonds. Et on a dit qu'on ferait une porte là. Et après, je pense que je ferai une paire de murs là. Et on devrait pouvoir faire les. Les lieux religieux directement à l'intérieur, comme ça. Cette place, pas besoin d'être très grand, faut juste qu'on puisse mettre les trucs et il y a 2-3 décorations et après ça taguera la pièce comme étant une pièce de chapelle. Et ça rajoute des bonus, ils sont contents. Il faudra faire des fenêtres et tout. Allez, là on va pouvoir tester, dès qu'on arrive à la maison, on pourra tester aussi. Par contre, ça c'est plus petit pour des salles d'atelier. Limite, il a presque fallu pas faire ce mur-là, non. Voilà, pour l'atelier, on va pas faire ça. Hein. Okay. Bon, c'est sur une sacoche, non, je vois pas bien. Et ça, on supprime. On va laisser la salle d'atelier là, du coup. Une bonne grosse salle, ça sert à rien de faire 50 000 sacs d'atelier quoi. Porter une bonne, elle est taguée, il n'y en a pas. Par contre, il va nous falloir de la poutre pour le toit. Alors on a vu que finalement, il faut en faire un certain nombre assez proche quand même. On devrait faire comme ça. Il va falloir refaire un escalier pour qu'il puisse faire le toit après, je crois. Et ici, il va falloir en mettre une dans ce sens-là. On a encore l'argile, ça va. Petit repas, 280. Oh, un petit mouton. Alors lui, il faut l'apprivoiser, c'est ça? Je comprends rien. La vache, il a fallu aller apprivoiser. Le mouton, il arrive directement, il nous rejoint direct. La partie animale n'est vraiment pas top dans le jeu. C'est ça le plus gros reproche que je ferai au jeu, c'est toute la gestion animale qui est quand même vraiment pas top. L'apprivoisement, le dressage, par rapport à des jeux comme RimWorld, etc. C'est vraiment pas bien. Vraiment le gros défaut du jeu, je dirais, pour moi. À moins qu'ils aient amélioré un peu ça, mais je ne crois pas, j'ai pas vu, j'ai rien vu dans ce sens-là.
On va faire une porte ici, du coup. Là, on demande un coin. Et on tourne. Hop là. Et là, pareil, un coin. Et c'est bien. Je mettrai là après. Une fois qu'ils ont fini. Les villageois sont épuisés, ben c'est normal, c'est le soir, ils vont prendre le dos, ils seront en pleine forme après demain. Bon voilà, ils sont pas très contents, ils sont trop serrés, après je sais pas quoi. Vêtements hideux, soif extrême, ben, les alcooliques. Hein. Autrement, c'est évaluation professionnelle, ça c'est parce qu'on leur fait faire des tâches qu'ils aiment bien. Attente moyenne, parce qu'en début de partie, ils ont pas forcément envie d'avoir des trucs. Hein. Une scène, ça c'est pareil sur tous les jeux. Alors, ils sont potes avec 3 personnes et 2 autres, ça va. Ils sont pas mal avec. Malgré les caractères un peu particuliers de certains. Ok. On a 25. Qu'est-ce que. Bah, peut-être confection, justement, tiens. On a du lin, on a du cuir, on peut commencer la confection. Ici, ils ont fini. Alors, on va essayer de finaliser un peu ça. Le toit, je crois. Est-ce qu'on fait un étage en plus? Réfléchissons. Il nous faut la cuisine. Donc ça, la cuisine, je pense qu'elle sera taguée là. L'atelier, on va le faire ici. Bibliothèque, allez, on va le faire. Une bibliothèque, je pense qu'on va... Je pense qu'on va faire... On va agrandir tout de suite ici. On pourra faire un grand hall là. Un grand hall ici, on laissera de la place pour agrandir pour le dortoir ici. Et en haut, on fera la bibliothèque. Les des chambres individuelles, c'est la place. Et il y a une chambre infirmerie, c'est vrai qu'on peut faire maintenant. Ça, c'est un dans le patch qui nous donnait ça. Et ça, par contre, je le ferai plutôt en bas pour que ce soit plus facile d'accès, tant qu'à faire. On va agrandir tout de suite ici. C'est suffisamment grand quand même pour le grand haut. Les herbes de soins, ça c'est important. Là, pour le moment, on les produit pas. Ils ont pas les compétences apparemment. Stocker aussi ce qu'on peut en champi pour l'hiver. C'est n'importe quoi, c'est ça apparemment, ça n'est pas, ça faisait pas ça avant. Avec la serpe, tu faisais rien sur les arbres. Hein. Ils mangent pas ce qu'ils ont foutu. C'est pas trop loin. Le sel serait pas mal d'en récupérer un peu quand même. Alors on a du vin aussi, donc ils vont quand même. Voilà, c'est pas top, mais ils ont quoi picoler les alcoolos, ils seront contents. Ouais, ça y est, regarde, son tutut, ils sont allés picoler, ça va pas durer longtemps. Hein. Ouais. Ça, une fermentation. Et. Le petit vin ainsi, hein, ça ils sont contents du coup. Content peut-être. On sait qu'ils vont se retrouver enfermés comme d'habitude, hein, parce que comme ils sont cons,
Et par contre, sur le jeu, ils sont très cons. Des trucs hallucinants des fois. On va faire une porte ici qui puisse communiquer. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une porte? Peut-être juste ouvrir. Ouais, pour le moment, je vais faire une porte et j'ouvrirai peut-être après, tout simplement. On verra. On va voir si l'évolution des constructions. Et là, alors, là, je sens qu'elle va s'enfermer. La bibliothèque, il faut que ce soit assez grand, parce que ça prend quand même pas mal de place, malgré tout. Parce qu'il y a plusieurs ateliers pour de recherche qui vont être faisables. Et après, il faut stocker tous les bouquins et ça prend énormément de place. Tirer le codage. Hop. Et le toit, ben on va le faire en... comme le reste en fait. On n'a pas l'isolation, le toit est plutôt pas mal, on a vu. Hein. Le toit en osier. Le souci, c'est qu'il faut gérer le toit. Pour ne pas être embêté. Après. Comme ça, ça ne passera pas, évidemment. Ah non, 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 sinon... Ah, donne-moi juste le bout de toit, là, que j'ai fait. Annuler. Hop, aligne-moi ça. Non, tu veux pas annuler ça. Ok. Après c'est pas grave, dans ce cas je refais des poutres ici, c'est le système de toit est vraiment réaliste, mais pénible. Parce que dans ce sens là, ça le fera pas mieux normalement. Alors il faut que je le fasse en plusieurs morceaux comme ça. Et il faudra rajouter des poutres aussi de toute façon, dans tous les cas. Donc, oui, bon, autant rajouter des poutres ici, je pense. On fait ça. On va fermer là, et là, je crois que je vais t'embêter à cause des poutres. Faire une poutre ici là pour faire le toit du coup on a fait une surposition de toc toc et là on pourra reconstruire le reste du toit. Il y a le petit bout là qu'on va construire en venue. Hop. Voilà, comme ça, ici ça sera fermé, ici aussi. Ça nous a taillé une pièce. Ici. Est-ce que. Ouais, si, on a dit qu'il fallait quand même un étage pour faire la partie biotech. Donc, on va faire une porte ici. Toc. Là. Plutôt que de faire un escalier, on a déjà un escalier là, je vais pas en rajouter, ça prend de la place. Ça gâche de la place. Alors par contre, je possiblement pas pour faire une tranche complète comme ça. Donc, on va bidouiller.
Je crois qu'on peut faire quelque chose comme ça. Ah non, peut-être pas. Peut-être devoir faire un. Là, je vais peut-être pas pouvoir faire comme ça. Par contre, je vais faire un mur ici. On va faire un petit mur juste ici pour que ça serve de soutien pour les poules. Hop. Et après que je puisse faire les autres parties. Voilà, comme ça. Comme ça. Si pour les planchers, non mais je veux dire, je suis peut-être pas obligé, mais si pour les planchers, je suis obligé. Tu le prends pas, après je peux pas mettre des poutres comme ça. Ah, ça peut être vite pénible, parce que ça, ça passe sur. Quoique ça, ça peut être suffire, on va voir. Peut-être qu'un truc comme ça, ça va suffire pour construire le toit. Les planchers. On va voir. Je peux sur ce. J'ai bidouillé un truc, c'est pas grave. Il va manquer un carré à chaque fois. Ben c'est pas grave, je ferai un pylône là aussi, et puis basta. Hein. Là, il voudra pas prendre à cause de la poutre en face. Alors, moi, je suis pas un architecte, hein, les gars, donc voilà. C'est la bidouille ici. Hein. Je vais refaire un petit mur à 8 avant de construire ça, on va refaire le mur. Ah, laissez-moi sélectionner ce truc. Attends, je peux peut-être rajouter le mur direct. Je veux bien. Voilà. Ah, ça, il veut bien par contre. Toc. Et toc. Ça, il y aura du soutien partout. Normalement, ça va avoir un truc. Bon, il faudra qu'ils se débordent les uns, bien sûr. Mais... Attends. On va essayer de faire ça, que je revois après. Tout à l'heure ça passait, il manquait juste les deux carrés. Là maintenant il n'y a plus deux carrés donc ça va aller. Et quoi, il fait 5 degrés dehors. Il va falloir commencer à faire un petit poêle pour la chaleur. Hop. Il faut de l'argile pour ça. Bon, ils vont en récupérer. Conversation merveilleuse. Un petit repas 80 à la crue. Est-ce qu'on peut rechasser quelques trucs là? On n'a pas beaucoup de caravanes qui passent là quand même. Eh ben je vais peut-être te demander de chasser des jeunes et puis c'est tout. On sera pas grandi. Hein. Ah, ouais. On a besoin de viande. Je viens préparer les stocks. Et une fois qu'on aura fini ça, on pourra faire une muraille. En bois dans un premier temps. Je pense. Ils sont malins ou pas? Parce qu'ils cassent les récolter comme ça. Est-ce qu'ils sont vraiment... Ah, la croissance est presque finie. Je vais peut-être les laisser, du coup. Laisser gérer. Laisse la croissance. Et tout à l'heure, on a eu moins de bouffe parce qu'ils n'ont pas récolté assez vite. Et du coup... Mais ça, ça, ça avait l'air d'avoir grainé un peu. Que ça jette pas, ça devrait aller.
Ah mais c'est bon, ils ont fait le tour, c'était nickel en fait. C'était déjà fait pendant que je faisais mon reste, ils avaient fait. Le petit jeu de lumière avec le terrain mouillé et tout ça, c'est nouveau, ça, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas comme ça des reflets dans les flaques d'eau quand il n'y avait plus. C'est pas mal. Il faut plein la gueule, mais c'est plutôt pas mal. Les jeux de lumière aussi, il n'y avait pas ça avant comme ça. Pas souvenir. Pas pour tout ce qui était pour les fenêtres, les portes, oui, je pense. Ok, peut-être pas. Alors on peut, voilà, par exemple, ils ont un système. Si tu fais, par exemple, tu peux faire des plantations à l'intérieur si tu veux. Et les plantes vont pouvoir, avec la lumière qui passe par une fenêtre. Si tu as une fenêtre juste à côté de la plantation, la plante va pousser. Potentiellement, j'imagine, pas forcément super efficace, notamment l'hiver, mais ça va pousser. Et après, on sera bon. Pas tranquille. Bon, par contre, vous êtes en train de me faire tout tomber. Donc, vous récoltez d'abord l'argile, encore en train de couper. Il va falloir que je fasse un escalier tout de suite. Là, j'ai pas. C'est pas prévu ça. Ouais. J'aimerais bien que j'ai tagué des putois. Ils apparaissaient plus. Plutôt il contre-attaque pas. Ouais, j'aime bien que j'ai fait ça tout à l'heure, mais je sais pas. Ouais. Est-ce qu'ils ont foutu du coup les voyages solitaires, ok, on pourra faire un peu de commerce. C'est juste, on a pas eu de caravane qui arrive encore. Hein. Ah, ils ont mis des carcasses là comme ça, sauf frais. 3 années avant que ça se décompose, et c'est au top pour IRA, donc 43 jours encore. Et ça débite de la viande, c'est formidable, tout va bien. Et c'est vrai que j'ai le truc pour les tenues. Alors, par contre, on n'a pas de laine encore pour faire les tenues, mais on pourra faire les tenues d'hiver dans une autre source, c'est pas très grave. Donc, on va avec l'atelier, pour s'il y en a un qui a envie de nous faire un peu de vêtements, que ça commence à le faire. Hop! L'hiver va arriver bientôt. On pourra transférer tout ce qui est les tables d'arc, etc. Menuiserie ici, tout là-dedans. Là, je construis tout de suite, mais j'aurais pas très bien pu le faire là, mais il n'y a plus beaucoup de place dans l'entrepôt. On va le garder pour les autres sources. Ils ont récolté les choux, c'est bien les gars. Pas trop les baies, un petit peu, mais les choux c'est ok. Alors le petit monsieur, on peut attendre. Il va rester là quelques temps normalement. Voir ce qu'on peut lui refourguer. Est-ce qu'on peut lui acheter à la place? Il a une poule apparemment à vendre. On voit la poule là, qui se balade autour de lui. Ça c'est nouveau aussi, avant on ne pouvait pas acheter des animaux. Le roi du commerce. Alors Sigmut est bien lui donc. Mais c'était Sweetin qui était bien. Le Sweetin. Mieux c'est Sweetin.
Vas-y. On va me laisser manger. Coupe. Ouais, bah, du coup, si tu coupes, t'as mangé, c'est ok, du coup. Alors. On pourrait très bien lui vendre des cheveux. On pourrait lui vendre des carcasses, mais c'est très lourd. Ça va excéder son poids. Ça se vend à un bon prix, mais voilà. Le mouton, on en a qu'un, on va le garder, bien sûr. Alors, par contre, on est blindé de graines de laine, de lin, donc ça, je vais lui en vendre pas autant. Hop, 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 hop. Ça va débarrasser ce qu'on a trop de graines. Potager 27, 23, je vais garder. Et ça, le lin, je peux lui en vendre un peu. Ah, les graines d'arbres, jeune chêne, tiens, je peux vendre un petit stack aussi de graines d'arbres. Il y a combien en pognon? Il a quoi? Il a même pas, il a pas de pièces d'or. Il a pas un rond sur lui. Donc on peut faire que du troc du coup. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Il a du crispel bouffe. Ah non, il a des herbes. Juste ce qu'il faut, le coup. Herbes, c'est rien. Jeune pommier. Ah, ça, oui, ça m'intéresse, une graine de jeune pommier. L'orge, c'est ok. Il vend des pièges en pieux. Alors, je pourrais fabriquer des pièges aussi pour les mettre autour de la tour. Mais les pièges, ils sont tellement pas efficaces. Les pièges, les premiers pièges. Alors le poulet, on va le prendre. Qu'est-ce qu'on peut lui carrer? Est-ce qu'il n'y a pas des vêtements un peu dégueulasses comme ça? Peut-être des trucs qu'on a récupérés là sur les bandits. Vêtements d'été, je peux le virer. Ouais, il dépasse en capacité. Après, il le prend pas cher. Attends, tu déconnes? Ah non, c'est le pognon, c'est pas capacité de poil. Le poil, si, il y a déjà, mais... Ah, juste pour quelques graines que j'ai foutu, mais c'est parce qu'il a déjà... Il était déjà moitié blindé, là. C'est ça, le souci. Il vend du vin acide. On va pas acquérir des s'il a pas l'argent, de toute façon. On a déséquilibré pour le moment, oui, tout ça il veut pas. Hein. Toute une partie du matos qu'on a récupéré sur les vilains, il n'en veut pas. Hein. Donc en gros, il faut qu'on équilibre un peu. Qu'est-ce que je peux. Comme c'est qu'un lundi, c'est chiant. Bon, 1,67 pour la graine et la poule, elle nous la vendait combien la poule? ?8,36 la poule. Ah la vache, tu te fais pas chier toi. Pas chier avec ta poule. Et qu'est-ce que je peux te vendre de cher qui pèse rien quoi? Les animaux, mais à la limite, je peux lui vendre peut-être des petits moutons. Les jeunes. Apparemment, il n'y a pas de différence. Ou alors, ils sont tous adultes. Ouais, ils ont grandi. Non, là, celui-là est jeune, mais c'est le même prix que. Même prix que les adultes. Ouais, ça, c'est. Ouais, c'est moyen. Les autres, juste pas comme ça, c'est pas grave. J'ai combien de chèvres là, moi? Ils se reproduisent combien là encore? Le problème c'est que 25. Après, j'aurais pas. Moi, je vais perdre de l'argent. Je vais gagner des réputations et puis, mais je vais perdre de l'argent. Et le problème c'est que le reste, c'est bah, c'est très lourd. Hein.
C'est super cher, sa bouffe de merde. Ah, j'ai pas de graines de carottes, par contre. Ça peut être intéressant. On a pas du tout de graines de carottes. Hein. J'avais pas vu ça. Bon, ça vaut pas cher, par contre. Je lui achète le vin acide et puis je lui file un mouton, là, une chèvre. On va filer le plus vieil des bestioles, là, 14 jours. C'est là le plus vieil. 5 jours. 1 an. Ah bah non, ça va, non. 1 an. 1 an, 24 jours. Et 1 an, 16 jours. Bah attends, je refile celle-là. Il a 30, donc du coup là c'est 30 contre 20. Qu'est-ce qu'il a d'intérêt de cher et d'intéressant là? Je peux reprendre du vin ici. On n'est plus qu'à moins 3 en a. Faudrait que je reprenne une paire de bricoles. Après, c'est pas intéressant. Non, bah, je lui fais un petit cadeau de 3 pièces, vu qu'il a pas d'argent pour. Bon. Ça nous montrera la réputation avec sa faction, c'est tout. On fait ça comme ça. Voilà. Vu qu'il a pas de sous. Alors, donc, ça nous fait des graines de carottes. On n'a pas de carottes encore. Donc on peut demander qu'il. Donc pareil, ensuite un petit truc de 3, ça suffira. De 3. Hop, 3, 3, c'est très bien. Et là, on a plein de pommiers, donc je peux demander une ligne de pommiers, même si j'aurais pas la place. Mais les pommiers, c'est bien aussi, du coup. J'ai coupé la grille, c'est ça? Ouais. Bien. Pratique d'avoir la grille quand même. Tu veux pas? Bah, j'en ai une. J'en ai acheté une graine de pommier. Ils n'ont pas rentré en stock encore. Cause-lui, s'il te plaît. Est passé où ma graine de pommier? Me dis pas qu'elle a pourri tout de suite, instant, ou qu'elle a été bouffée par un. Bah non, pourquoi elle aurait pu être bouffée? Mais voyez-vous ma graine de pommier. Il fait scam une graine de pommier, j'ai l'impression. Ouais. Sans le scam, ça. Bon, il plante les carottes, mais bon, ça va jamais avoir le temps de pousser les carottes, là, grand. Tu veux gaspiller les graines, il y a moyen. Ah ouais, c'est con cette histoire de graines, là. Graines de pommier là, que j'ai acheté exprès. Donc ça a libéré de la place les graines de lin, t'en as toujours des tonnes et des tonnes. Ah bah ça je peux péter du coup. Tac 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 tac. Ah non ça. Tac. Et tac. Ça va agrandir la zone. Pas sûr que ça fasse grand chose mon jeu là, très honnêtement. Vu la gestion, la mauvaise gestion des animaux. Tac. Pareil. Tac. Tac. Voilà.
On a rentré du bois, ça c'est cool, les branchages aussi. Il y en a encore plein ramassé par terre. Notaire, on s'en fout. Ça récolte du lin, magnifique. Ok, je sais pas si il y a encore un peu de place. Donc c'est pareil, ça. Tu peux faire un stockage de pour les composants de craft. Et tu le mets juste à côté. Tu vas en faire une étagère, genre ici, deux, hop, trois étagères ici. Et on va en faire une. Et après, je ferai un dupliqué. Ah, non, 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 pas ça, par contre, tu pètes pas le sol. Hop. Et après, je copie, en faisant un copier, ça copiera les paramètres. Et là, vous avez les... Il est con le jeu quand même. Isoris, hey, c'est végétalisé, hein, c'est bien. Hein. Ça peut être rigolo, hein, c'est végé. Il y a l'arbre à l'intérieur de la maison, c'est original. Et là que tu vois qu'il y a quand même encore un peu de boulot sur certains aspects du jeu. Ça permet de faire des trucs rigolos par contre. Hein. C'est bon. certains aspects, la gestion de température, le jeu est plutôt pas mal fait avec l'histoire de construire en sous-sol pour faire un cellier pour la conservation des animaux. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Les différents types de murs de pareil qui vont avoir différents types de résistance à l'isolation thermique, c'est les sols, ça aussi, c'est pas mal. Il y a d'autres mécanismes qui sont quand même. Pas terrible, faut être honnête. Est-ce qu'ils ont retrouvé la graine ou je me suis vraiment fait scam? Pense qu'on s'est vraiment fait scam. Bon, je le prépare, mais ils trouvent des graines de poulie un jour. Mais... Il y en a peut-être là, mais il faut regarder arbre par arbre. Et ça nous dit quel type d'arbre c'est. Chêne, chêne, chêne. Chêne. On va y voir au printemps, quand ça va fleurir. Je pense qu'on va voir la différencier du coup. A peut-être pas de base, hein, la map. Je sais pas. Je n'ai pas sûr. Qu'il y en ait de base. Que ce soit quelque chose que tu es peut-être obligé d'acheter débloqué, un peu comme les graines de légumes. Mais j'en avais acheté une. Ils ont construit le chauffage. Non, ils ont pas construit le chauffage. C'est embêtant, les mecs, ils ont ça à faire froid. Je vais pas construire le chauffage, là. C'est vous qui caillez la lumière, c'est pas moi. Hein. On va forcer parce que. Voilà. Ah, une attaque de bandits des rivières. Donc probablement 11. Je voulais finir de paramétrer s'il te plaît le poil. Ah, on peut choisir différentes intensités maintenant. Ah, ça c'est nouveau aussi. Donc priorité très élevée quand même. Matériaux, tu vas me prendre les branchages. Ah, on peut régler ça. Ah, c'est nouveau. Modifie l'intensité des tours de chaleur, augmenter l'intensité, créer plus de chaleur, mais utilise également davantage de combustible. Ouais, mais ça évitera peut-être de devoir en construire 3-4 par pièce l'hiver, quoi, quand il fait super froid. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Ouais, il y a des trucs comme ça qui sont quand même bien, quoi. Super bien fait. J'ai peut-être oublié déjà tout le monde.
Ils vont encore tout nous casser, c'est pas grave. Hop! Ne pas chasser devant les vilains. Ah, on a une gagnante qui est bloquée. Trouda, championne du monde. Il y a une porte, Trouda, pourtant. Ah, ils ont pas construit la porte encore. Si, ils l'ont construit. Une porte, là. Une porte, Trouda. Ça t'empêche pas de venir, du coup. Trouda, 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 mon ami. Pourquoi t'es bloqué? Il y a une porte là, il y a une porte là. Du coup, tu peux sortir, Trouda. J'ai cru qu'elle était bloquée, mais non, elle était bloquée. Autant pour moi. Je me trompais. Je voyais pas bouger. Ah ouais, elle boite toujours, elle a toujours sa jambe cassée, elle, c'est ça? Déjà, maintenant, elle rebosse un peu, c'est déjà ça, mais... Ah non, tout va bien. Alors, donc, ils sont d'où? Ils sont de là-haut. De là-haut, de là-haut, de là-haut. Est-ce qu'ils vont faire tout le tour encore? On ne sait pas. Allez, toi, tu vas aller là. Toi, tu étais pas mal là tout à l'heure. Et Trouda, mets-toi là. On verra bien. Simud. Après, voilà, ça, on n'a pas assez de place pour mettre vraiment correctement tout le monde. Je vais le mettre sur les double cases. Et alors, voyons voir par où ils vont faire le tour. On va accélérer un petit peu le temps qu'ils arrivent. On va mettre à vitesse max par contre. Ils vont arriver par où encore? Ok. À la limite, Redwin, on va tracer légèrement. Ouais, ils vont... Bon, c'est l'avantage, c'est qu'ils se ralentissent quand ils font ça. Par contre, c'est chiant, faut tout reconstruire après. Tire pas, les gars. Vous voulez pas tirer là? Vous faites quoi? Pourquoi ils tirent pas? C'est con. Oh, parce qu'ils sont sur la même case, et du coup, ils se tirent pas. C'est ça l'histoire? Attends, je vais devoir bouger un. Non, Simon ne veut pas tirer. Putain, c'est le meilleur tireur, mais il veut pas tirer. Mais lui, il avait bien bossé tout à l'heure au niveau de la porte. Bon, ça snipe un peu là-haut, ça a l'air d'être ok. Là, ça a l'air plus compliqué. Faut pas t'occuper de celui-là aussi. Est-ce qu'il va aussi en tirer là? Protéger un peu la porte quand même, les gars. Faudrait que je fasse une grille et que je mette quelqu'un avec une bardiche en bas. Ça, c'est terrible. Une porte grille, mais il faut lui faire, j'en ai pas encore. Et tu mets quelqu'un avec une bardiche, il tape à travers la grille de la porte. Parce que là, ils vont péter la porte. Là, là ils gèrent pas très bien là, ce coup-ci. La porte. Voilà, il a aussi pété le porte. Bon, bien que tout à l'heure, la gestion. Là. Du coup, il se barre quand même. Ah, l'autre, il est descendu, mais non. Il faut dire qu'ils ont toujours envie de descendre, c'est tout. Remonte. Remonte, Forest. Là, ça va être un peu embêtant. Du coup. Non, viens là, je te dis. Viens ici, le débile. Là. Viens là. Toi, putain, tu te fais taper là en même temps. On nettoie quand même, mais là, du monde là qui va monter. Il y a Sweeney, Sweetin là qui a des armes au corps à corps, donc c'est pas top. Et ils peuvent pas tirer à l'arc. Donc du coup, voilà, hop. Ah, là, ils ont pas géré la porte correctement. Tout à l'heure, il avait fait un gros boulot sur la porte. Allez, ça y est. Voilà, ça tombe. Ils vont nous taper dessus dans ce temps-là, un par un. Voilà, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ils tirent pas à l'arc quand les mecs ils sont au haut de l'échelle, quoi. C'est.
peux pas leur... Quand tu... Regarde ça, ils sont à 50 au moment sur l'échelle, quoi. Ah, c'est mal géré, ça, encore, leur histoire d'échelle, quoi, du coup. Je peux même pas le sélectionner, là. Ah, du coup, ils vont tous se faire allumer, là, putain. Regarde-moi ça, là. Il tire sur personne, là, il fait rien. L'autre, il fait rien. Il tire même pas sur le mec qui arrive derrière, quoi, sans déconner. Ils sont ouvrir là, comme des merdes. On l'a gagné quand même, mais il va peut-être avoir des morts, là. Je vais mettre plus de guerriers, du coup. Arrête, on va tomber un peu en train de l'archer. Et je vais stuff quelques mecs en plus. Hein. Oui, oui, bon, ça suffit la bagarre. Hop. Allez, vous soignez, soignez les copains. Laissez les partir. On a gagné, on va dire. C'est formidable. Regarde-moi ça, il s'immute là, il fait un truc bizarre là. Oh, il est en train de descendre en descendant. Ah, l'échelle, c'est pas ouf quand même. Hein. C'est pas ouf du tout par rapport. Je vais faire différemment. Je vais refaire un. Je vais refaire un escalier, parce qu'au moins, quand ils montent l'escalier, les mecs montent qu'un par un par l'escalier. Tu mets un mec en haut, et puis les autres, ils peuvent vraiment tirer que là, par l'échelle, c'est pas bien géré par le jeu. Par... pas ça encore. Pas ça du tout. On va pas tuer 50, là. J'ai cru qu'il allait se péter. Parce que là, ils sont pas gênés, ils sont en mode. Carpette, carpette. Il n'y en a plus qu'un qui est debout là pour soigner tout le monde, c'est ça? Bedwin, je pense que Win c'est un. Je vais dire au revoir. Et c'est encore pas trop au niveau 100, ça va encore. À la limite, peut-être se focaliser sur Edwin. Salut Donna! Bah ouais, je teste parce qu'il y a un nouveau système maintenant avec des échelles et bah ça marche moyen. Ah, il va chercher kit de soins en bas, c'est embêtant. C'est bien parce que bah, tu prends, ça prend moins de place au niveau escalier. Donc ça, c'est plutôt cool, tu peux faire une échelle. Par contre, il gère pas bien quand les ennemis montent l'échelle. Les archers n'arrivent pas à toucher les mecs. Ils leur tournent le dos et. Il continue à tirer sur les archers qui traînent. Donc ça, c'est pas très bien géré encore. Donc du coup, on va repasser. Mais bon, on va gagner en espérant que personne ne meure. L'idée était bonne, mais ouais, c'est mal géré lors des bagarres. Ça m'a permis de faire un bastion plus petit, vu que bah, le problème de l'escalier, c'est qu'ils prennent 3 cases. Et ça prend beaucoup de place. Et à la limite, à part avant, je fais un escalier là, et puis au moins ils pourront tirer correctement. Ça va être, ça va aller peut-être au niveau soins, ça va gérer, ça a l'air de. Je pense ça a l'air d'être ok. Il n'a plus beaucoup de vie, mais s'il a été soigné, qu'il ne saigne plus, ça devrait le faire. Ouais, il n'y a plus de. Il n'y a pas d'hémorragie. Ouais, portons sur les hémorragies souvent. Il y a aussi les boules déboîtées, ça met encore des jours et des jours à se guérir, ça par contre. Ouais, il y a QI qui est vraiment quelque chose qui va durer un peu longtemps. 36 heures quand même, ok. Ça va, ils ont survécu. Tu peux non plus fort. Mais ils ont pas tout pété, donc faut que je refasse des bûchers. Là, tant que j'aurai pas la muraille, ça va être un peu pénible. Je vais refaire les fumoirs aussi. Hop, hop.
Ils ont pété le feu de camp, bien sûr qu'ils ont pété le feu de camp. Évidemment. Voilà. Pour le moment, on a réussi à perdre personne. On a tanké deux, trois attaques là. Le stream, c'est bah, pas si mal. On a perdu une, mais il n'y a pas une mort. On a gagné deux, il n'y a pas de mort. Ça peut aller. On a pas mal de nourriture crue, bon, on n'a plus de repas. Ben, ils ont cassé le truc, donc il va falloir le construire en priorité pour qu'ils puissent faire des repas. J'ai un lit de trop en fait, ou j'ai perdu quelqu'un, j'ai pas fait gaffe, je me suis pas rendu compte. De toute façon, j'ai perdu. Oui, on a perdu Rickel, ouais. On a perdu quelqu'un, non, on a perdu quelqu'un. Ah, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est ça. Hein. Dès que tu es en survie et que tu mets un peu de difficulté, tu sens la difficulté. En survie, tu as plus d'attaques et en difficulté, ben, les mecs, ils attaquent à 2 contre 1 la plupart du temps. Donc, surtout au début, même quand t'es pas trop équipé, pas trop, les défenses sont pas top, tu prends vite cher. Parce que eux, ils sont bien équipés, les mecs, par contre. Alors, on va faire une petite tombe par contre pour le copain. Les autres on les brûle, mais lui on lui fait une petite tombe. Tombe anonyme, bah pour le moment je peux faire que ça, donc ce sera que ça, mais après on fera une tombe un peu plus intéressante. On va faire des sarcophages et tout comme ça. Alors, on va paramétrer colon. Ouais, il a posé les matériaux, ça c'est bien. Ouais, il fait une petite prière du coup. Et si vous restez en mode normal, le jeu il est très simple. Une attaque toutes les 3 heures IRL. C'est très ennuyeux, très ennuyeux. C'est juste un jeu de gestion. Donc, il faut au moins mettre en survie pour que ça soit un peu intéressant. Avoir plus d'attaque. Ben là, ils font rien des mises à jour, donc on va voir un petit peu les dernières mises à jour. Donc il y a des trucs intéressants. Après, il y a toujours des trucs qui sont pas encore résolus. Les mecs, ils sont tous encore très cons, qui arrivent à s'enfermer sans arrêt quand ils construisent quelque chose. La gestion des animaux n'a pas l'air tout... Alors vraiment progresser de façon intéressante non plus. Au niveau vraiment, il y en a qui a pété un câble. Au niveau vraiment gestion de l'ensemble. Clanfall qui est beaucoup plus complet, je trouve. Beaucoup plus fini.
Alors, il n'y a pas les aspects vraiment de température que tu peux. Le vrai intérêt de Going Medieval, c'est cette histoire de gestion de température avec le fait de creuser un cellier en sous-sol, l'isolation qui varie en fonction des matériaux, tout ça, voilà, ça c'est le gros point fort du jeu. Les cultures, ça va, parce qu'il y a le principe de pouvoir récupérer des graines, même s'il le fait aussi là sur Medieval maintenant. Tu peux demander de récupérer plutôt des graines si tu veux. Et ça aussi, c'est un bon principe. Au moment où tu récupères, tu peux choisir de récupérer plus de graines plutôt que de récupérer plus de plantes. Bon, là, on peut plus. C'est la saison, je pense. Et voilà, là, tu peux. Ça, c'est des systèmes qui sont intéressants. Ça, ils sont en train de faire créer. Mais forcément, entre les cadavres et puis le fait qu'ils ont perdu un copain, ben, automatiquement une paire qui va péter un câble. Ils m'ont construit le fricot. Jusqu'à obtenir, on met pas d'orge. Pareil pour la nourriture pour les animaux, jusqu'à obtenir pas d'orge. Donc ils ont rajouté ces histoires de relations qu'il y a entre les différents colons, hein, comme sur Rimworld, etc. Choses comme ça, ils peuvent se foutre sur la tronche, même si c'est sympa. Ouais, ça reste assez. Et alors, le plus gros problème, c'est la gestion des animaux. C'est vraiment dommage, c'est mal fait. Le seul truc qui est pas mal, je pense, c'est que t'as un système d'abattage comme Sand Grimworld qu'ils ont fait, si je me souviens. Non, même pas. Ils sont tous en train de péter un câble. Allez, ah, ils ont pété vos. Ils ont... Ouais. Non, pas privé, t'as les hôtels. T'es déjà allé, les hôtels de. Pas de raison de péter un câble pour le problème de religion. Hein. Il y a deux hôtels qui sont disponibles. Mais ouais, il y a des aspects très sympas, et il y a d'autres qui le sont un peu moins malheureusement. Et qui n'ont pas l'air de bosser là-dessus, donc à croire que ça leur convient. Moi personnellement, ça bosserait vraiment là-dessus. Hein. C'est le gros défaut par rapport aux autres jeux de gestion de colonie qu'il y a avec des animaux, c'est une gestion pas bonne du tout. Après, l'histoire des étagères, machin, pour la conservation, les aliments, le stockage, ça c'est bien, ça c'est sympa. Ça c'était un bon ajout qu'ils avaient fait il y a quelques temps. La gestion des tenues aussi, bah, elle est vachement bien sur le jeu. Où, tu peux choisir exactement les tenues qu'ils vont mettre en fonction des pourcentages de points de vie de tenue, en fonction des. En fonction de, bah, de la qualité. Alors d'ailleurs, mes paramétrages ont sauté. J'avais, ça l'a pas, la mise à jour a fait sauter mes paramétrages, je fais normalement je les retrouve à chaque fois. Parce que tu peux choisir, tu vois, tu choisis le type, choisis l'armure, tu dis, bah, je veux qu'ils équipent le matos qui a au minimum 60% de points de vie, de telle qualité, parce que. Tu m'ennuies quoi déjà. Donc tu choisis comme ça parce que le point de vie des
soit les armes ou des vêtements. Si t'as une qualité parfaite mais qu'il n'y a plus de points de vie, et ben finalement la défense sera pas bonne. Ça va jouer sur la défense. Donc il faut que tu leur fasses qu'ils équipent aussi quelque chose avec suffisamment de points de vue pour que les bonus de fait de qualité soient aussi effectifs. Vous voyez là, il est en 1000 life à peu près, et on arrive à 836 de défense. Et quand tu peux regarder par rapport. Mais ça, c'est la classe au-dessus, hein, le grand Romain. Il est médiocre et il a 1000 life. Par rapport au casse de maille qui est bon et qui a plus que 1000 life, il y en a un apporterait 1184 sur la tête. Donc en fonction de la qualité de l'arme, du type d'arme, des fois une arme plus bas de gamme va dire plus de protection parce qu'elle est en meilleur état et de meilleure qualité qu'une arme beaucoup plus évoluée. Enfin, une armure plus évoluée. Et ça c'est pareil hein, pour les armes aussi. Tout ce qui est armure, tout ce qui est... Toutes les armures. Et il y a une dégradation effectivement des armures, à la fois au combat et à la fois avec le temps. Avec les intempéries, les armures qu'ils portent bah, vont se dégrader, les vêtements vont se dégrader. Donc il faut en recrafter régulièrement pour garder quelque chose de correct. Bon, en tout cas, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui regardent un peu plus tard. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à bientôt pour poursuivre ces petites aventures avec notre colonie de Goïm médiévale. Bye bye!